anapatikana leo mu village ya Mkinja, village ya Mkinja ambako kuko shamba letu, shamba la shirika letu, shirika ambalo linaitwa AAD, ni Association d'appui aux démunis. Yani ni shirika ambalo linasaidia wale wote wenye kuwa na mapungufu fulani fulani, watu ambao hawajiwezi zaidi sana. Na ni shirika ambalo limeundwa tangu mwaka 2020. En 2020, nous avons créé cette organisation. Mais aujourd'hui, l'organisation est une réalisation déjà à Mingi. Dans le territoire de Fizi, nous avons pris que déterminé pour faire ma chambre. Nous avons dit que la communauté de Fizi Baraka, l'espace Fizi Baraka, est frappé dans Njala. Nous avons dit que frappé dans Njala, nous avons dit que nous avons dit que nous avons des investisseurs anonymes. Na vingine wote viko na roho nzuri baka appuyer ma initiative za jeunesse, ndio kwa maana tulifanya hii mradi ya kujitegemea, mradi wa ku mettre en place un champ. Shamba yetu iko na superficie ya hektare 4, lakini inaendelesha, tutaendelesha sasa. Simuliona kule juu tunaendelesha, tuko na nia tufike kwa hektare 10, na objectif yetu ni ku réduire njala mu espace ya Fizi Baraka, kuangalia namna gani kujitosha mwele dependance alimentaire, kutegemea chakula ya kutoka nje, kutegemea chakula puke, tukule mchele, tukule maragi, tukule kalanga, tukule bugali wa muhindi wa muogo, il faut kutegemea Tanzania itufunira. Alors sisi kama vile vijana ambao wako reuni autour ya hii association yetu AAD, tulisema hapana, tunaweza kama tunataka. Wale wa Tanzania wenyewe Boba liumbiwa na nani? Ni Mungu mmoja. Wako na mikono kama yetu, wanasoma. Kwa nini sisi hatuwezi kujitahidi kufanya kama jinsi wanavyofanya? Kiltir yenye ziko huko ndani, tuliona tufanye kwanza association ya kiltir, yani mko mimea aina tatu, mko miindi kama jinsi mnavyoona, miindi variété sweet, tuko na miogo, mko variété na rocasse, na tuko na maragi iko partout la maragi na zani sisha kuwa yenye tunapanda ndani. Magumu yenye tuko nayo ni juu vitu hatuwezi weza kutegemea wa nje, na kabla sisi wenyewe hatujajipanga sawasawa. Magumu tuko nayo ni juu ya akwi. Tulikuwa tunania tulikuwa napenda tulime na mashine, lakini haikuwezekana, uwezo hakuna. Aussi terrain ambao tulipata accessibility haikuruhusu kutumika na mashine, lakini tunazani wakati tuko na vision ya kufungula zingine exploitation ingine fasi, tutatumikisha mashine. Me hivi tukingia tunatumikisha mikono yetu sisi wenyewe, tunaangalia namna gani kufanya mabikunji. Bale ba demini biko wana contribuer force yabo kuja kuchangia hapa. Iko mpungufu, iko demini, me anachangia pia nguvu zake kwa ajili ya kupata mazao kama na hii. Kuna wale wa bienfaiteri ambao wako na contribuer, yena anapata, ule demini wetu anapata kidogo, analima, kisha tunampatia kidogo, naenda msaidia kulipia mtoto masomo, inamsaidia kutunzisha jamaa na kukula, na kupata kidogo ya kukula. Magumu mengine tuko nao ni juu ya perturbation climatique, mvua huku kwetu haziko na nyesha kama vilivyo. Ndio utakuta kuko fasi moja kuko mimea yenye inazoofika juu ya mvua ambayo zenye hazinyeshi regularement. Mais tunashukuru parce que tulipanda mu saison, hatukupanda contre saison. Kuko tatizo pia ukikuta kuko mimea moja ambayo zinakumbwa na magonjwa kama vile miindi. Hapa hivi tuko na hii chenille légionnaire déjà yenye chanza atake shamba yetu, lakini pamoja na wa technicien pamoja na wengine wote tuko tunajifunza namna gani ya kueradike ile magumu kidogo kidogo ambayo tuko nayo. Wito ambao tungependa kutuma kwa raia, ambao tungependa kutuma kwa wa investisseur, kwa wale wote ambao wanapenda kuinvestir dans l'agriculture, ni kusema muda njoo. Hatutasubiri wainja kuja kutufanyia. Tulidepende muda mrefu na inchi za nje, tulidepende kupokea vya bure kwa ONG, na ndio binaacha si kubakia mu attentisme. Tutunge asere tupokeze. Adre tupokeze. Après un temps tunabakia tuko ba maskini. Ukwe askari jeshi, ukwe askari polisi, ukwe maire de la ville, ukwe administrateur wa territoire, ukwe jeune, ukwe agriculture na concerné batu yote. Na ndio wito yetu tuko tunaita. Tunaita jeunesse kuja impliquer beaucoup plus mon agriculture. Djubu dongo aisema kibongo. Kesho saba taona AAD naanza produire hapa, wanasema patient iko mulozi alienda frima. Anakuwa frima. Voilà. Donc
ni appel vibrant pour pousser les autres pour appuyer l'initiative. Attends, biko inje ya inchi ba appuyer ma initiative kama na hizi. Ndio ma initiative zenye zina passion endelesha kwetu. Hapana ku appuyer ku appuyer ba anti-valeur, ku appuyer ma anti-valeur ndio bitu biko na turudisha nyuma. Lakini ma organization sana hizi unaona sa mea wa hivi unaota hapa hivi tunajua hapa kutatoka miinzi 3-4 kule kutatoka miinzi autant ukila shina na ile na kia tusaidia. Tuko na tulisema kama si hatuko hapa tu. Tuko na izine ya transformation. Na tushafanya maeshantio daire sasa tutafika ku izine yetu tutakuonyesha. Tuko na mashine zenye ziko pale deja. Nilikwambia kama kuko ba investisseur anonyme benye biko nyuma ya hizi initiative na itafikia wakati ambao tutawatia mbele ya community. Tuko na izine ya transformation na eshantio zimeanzisha kuwa. Tulivuna shamba, tulivuna mimea moja. Na déjà il s'est transformé biko mu depot hivi siseme uongo tutaviona vyote wakati tunafika pale cuisine tuko na maambalage zetu tuko tuna conserver ku modele yetu na tunapenda zikue reuni zikue na label zikue na ile modele yetu logo yetu ya AAD na kila mtu ajikute kwamba iko na kula produit local itatosha mo ile dépendance économique et alimentaire voilà donc ni ile tutakuwa na muda ya kuzunguruka mshamba wote mzima. Musichoke kuona kazi ya watoto wenu, kazi ya wale ambao wamejitolea kimaendeleo kwa ajili ya tarafa letu la Fizi. Voilà tuko nipenda niwapresente huyu kijana. Huyu kijana anaitwa Kaindo Albert. Yeye ndio iko jeune kama mnamuona, mais jeune mwana disacrifier kugusa budongo kila siku na kuaccompagner ile main d'œuvre locale yetu. Kwa hiyo yeye ndo tuseme iko gérant wa hizi exploitation hein. Tuko na ma bietu viko na département mbalimbali mtatuelewa ni huko tuko na gérance muizine ya transformation tuko na gérance na vingine tukingaye tutabafikishia tutaba informer vingine tuko tunafanya dans la zone voilà si tu unaweza ambia ma jeune nini unaweza tuambia huko tumika aina watu wetu vingine tuko tuna ile main d'œuvre yetu est-ce que collaboration ko sawa. Voilà, kama mnaba mbembe inawe Swahili Kiingereza yose sawa kitu kile mimi naweza kuchangia kuhusiana na representant wetu anaongea ombi yetu ilikuwa ni kujiunga sisi wa vijana tujiunge kwa pamoja ili tuweze kutumika kazi kama na hii kwa sababu kwa hii kazi ambayo tunajitolea kutumika ni kazi ya sisi vijana tunastahili kutumika hii kazi na vile vile tuko na watu ambao tunatumikisha kutoka sehemu mbalimbali tunachagua kabila zote ambazo zitajitokeza kutumika kazi tunaonga mkono karibu wazogee kututumike nao kwa pamoja association yetu haina ubaguzi hapana tuko na ile umoja ndio maana tunataka kutumika na wa vijana. Voilà merci beaucoup yeye ni Albert sasa hivi tulitoka kusema na Nigeria wa hii exploitation iko permanent hapa kushamba tu donc na wewe makolelongi mwambaka ono mamba kale machachari manga mutumia achi na infatigable niki mboja tikio talk tikio otwa na achi matin midi soir il est au champ amutumi amesha na banani alors ben tuto situatwa tu mkadre ya bwana Albert tulikuwa tunakuya angalia tu gisi kazi inaendelea sasa tulikuwa kujuzi na hata milele tuko tunakuya kue haiko hapa tu tuko na exploitation zingine sasa hivi unajua na bajen mukwetiere na sie tunabaita mkwetu ungane tutumike si peke tufukuze njala kwetu c'est la seule voie inaweza kutosha mukoloni ya njala voilà donc ni ile nadhani tukue na muda ya kuzunguruka shamba sasa muone superficie 4 hectares mais tuko na tufikishe 10 mwezi saison culturale ndio rêve yetu pour que kule cuisine kusukue kupire ya produit tuko na mapulae tutaenda onyesha tuko na vyote tuko na mashine za emballage za kushona tuko na tu japokuwa hata kama kukingali mapungufu fulani voilà tuzunguruke hasa shamba itakuwa vizuri.
Merci. Thanks to the same art, ça c'est juste une échantillon. Il est le cœur pour expérimenter sur les qualités de mon produit local et puis comparer la production et les autres. On n'a pas ma appréciation déjà la consommateur parce que vaut mieux être naïf localement qu'il est à me dire qu'on a aucun indien. Et donc c'est avec un espoir rassurant aux communautés comme que non AAD il ne peut y exister pour la solution au problème de trop de nos consentir. C'est maintenant dans le monde comment on a besoin d'appui, on a besoin d'accompagnement à genre et autres. Et nous sommes plus que déterminés pour aller comment pour Kimbis en Djala. Localement pour Kimbis en Djala, tout se dépend de ma produit de ce que je n'ai pas fait. Et depuis, il y a des dépôts transitoires pour avoir un grand magasin à ma produit parce que de la plantation, ça qui se mouille, on a un bac à être ici, on a un dépôt. C'est quand même trop longuel, n'est pas des discours. Les produits sont palpables. Et c'est juste une récompense, tout simplement. C'est une récompense pour mon effort, c'est dans la production locale. Donc, Joe, il est fou. Quelque chose qu'on n'a pas promis, c'est qu'il me donne à produire toutes autres choses, c'est qu'on a sous notre label, sous notre marque. Est-ce que je t'ai déjà acclimaté ou quoi et tout? Dans le chantier, depuis ma moise, je me suis dit que même si je l'ai adapté par rapport à ma condition climatique, donc je l'ai conservé. Après, il y a une condition standard, donc il y a des petites parties maintenant des éco appropriées. Le monde en coûte pour qu'on ait des races et pour ça, nous aurons ça. Alors, l'objectif est de commencer à commencer à faire d'une manière professionnel pour les et tout, tout le monde a eu bon, pardon, tout le monde a poussé des gels, tout le monde a eu des fougas, tout le monde a maillage. C'est une vision, c'est une vision. Tout va dépendre quand même de mon maillage. Ça va membre, la balle va bien faire des votes. Et tout dépend de ton associé à l'agriculture, à l'élevage, tout le monde a eu des cyclés en Guinée. $20, ça on a fait que c'est encore pour une démonstration. On avait coulé tout en allé, comment on a réaménagé, parce que t'as gagné pour la haie, il y a un jour. Voilà, donc c'est un peu ça, dossier valide à AD qui est déterminé. Je vais réduire sensiblement déjà là mon espace et affiche baraque. Voilà, tous les émancements petit à petit qu'on a amélioré, quasi. Après tout, on a ma machine, et ce machine c'est une petite spécialité de accoucher dans mon emballage. C'est-à-dire, ça, on a emballé ma produit, mon télé, mon gars, je suis en train de faire un sac pour être disponible pour. Stocké au dépôt des dépôts de l'année chaque année. Il y a une capacité à coucher à 2000 sacs par jour. Machine moyenne. Coucher à 2000 sacs par jour. Il y a une mission à courant. Une mission qui est nécessaire les projets parce que Baraka a une carence à courant électrique. Et puis comme ça, il y a une idée. Ça existe tout le monde. Tout le monde a visuel à faire un emballage et qu'on consigne comme modèle et tout. Donc c'est quoi la Gina et l'association Yenyewe, donc tout ça AAD, association d'appui aux démunis. On a peine à tout toucher, c'est le logo c'est une dose apparaître pour avec un message local. On a peine à vite bien te dire on est réellement que Baraka aussi peu, physique aussi peu, voilà qui dépendre tous les jours à l'extérieur.
Ndio maana hivi tuko na tunachukua kidogo mpaka kesho. Kile kuna sisi kisi zingine zingine ziko azama iko Tanzania. Na leo ndio na nourrir toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Est. Alors pourquoi pas si tunaweza changer les tendances, c'est question de volonté, c'est question ya kujiadherer, ni mawazo na kuangalia kwa appuyer surtout financièrement na kujiassocier en groupe pour éradiquer les défis qui est le nôtre. Ya njala na kudepende na chakula kutoka nje. Twende basi nibonyeshe machine kwa kutana. Zenye ziko msaidia sana transformation ya maïs na zingine produits et tout. Deuxième usine, na Njoumu, ikingali usine bien sûr il y a quoi aménager. Hapa tuko na machine mbalimbali, hapa tuko na décortiqueuse, inasaidia kuepilisha mihindi, après kufanyia utamisé, tunaitosha kule tunaitia tunapakiza humu, juu itoshwe blo mangozi, na iko prêt pour la transformation via ces moules, tupate farine ya mweupe kabisa, yenye haina maparasite za nje. Njoo hii décortiqueuse. Hapa tuko na mule proprement dit donc inasaidia sasa kutosha bunga. Patire hapa tunakuwa na bunga nyiko semul wala nyiko originaire. Una fanya kindo mule saga sasa tunapata farine prête à consommer, prête à kufanyia ugali wewe msikilizaji, wewe mtazamaji. Hapa tuko na ingine mule. Nilisema tuko na ingine, hii ni ingine mule pia, ingine mule ya inasaidia pia kula transformation. Tuko na tuko na 10 humu. 10. Tusa production zinaanza kuya. Usikue kupire ya sikwi ya kazi yenye tuko tunafanya huko. Bon, tuko na maintenance mbalimbali hii ndio tuko na chunga tu transformer ni parmi kwenye mlibakia, ni kidogo yenye mlibakia. Voilà, kigozi moya ya bunga ya muindi ni 1500 francs congolais, 2000 francs. Donc utakuta ni crise alimentaire iko sana. Alors kwa hiyo wakati kama hatutie mikono yetu mudongo, hatuentreprendre ma initiative za hivi, tutaiba. Bajene bataiba, bajene batapora, na antivalere zitakuwa ziko plus manifeste. Donc ni wito kwa wale wote ambao wanapenda kuinvestir dans l'agriculture, kuanza kuanzia leo. Kuiga mfano
kwa sisi ambao tumeshaanza na tuko naendelea kuzidia kuombea wale ambao wanatusutenir wenye wapendaki kuaparetre mais Mungu aendelee kuwabariki sana na watu kama hapo ndio tuko nabo besoin mu territoire yetu ya Fizi. Kuzingine contact kwa wapenda kutukontakte wanaweza kutuita kupitia namba 09 71 55 60 24 082 056 22 45. Hapo mtakuwa na coordonnées zetu na mnapata mafasirio kamili. Bunga yetu iko Mweshe, tuliangalia jinsi ya kushuka kukuta pale pa demini venye bana mamwa yetu tulitahidi kushusha bei kidogo tofauti na ile yenye iko natoka nje, lakini kalite ya vyetu iko ya mzuri kushinda zile zinatoka nje. Voilà, tunashukuru sana. Naitwa Pasia Rafiki, mmoja kati ya wafanyakazi wa shirika letu la AAD. Tunawashukuru sana. Ciao. Ou pas ta, 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 ou pas ta